Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un colis de chez Onkeping Depot. Donc je l'ai ouvert hein, pour déjà voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Là, j'ai pas encore ouvert ici. La fourmi qui est là. Donc je vais l'ouvrir. Ça a été vraiment bien emballé. C'était dans un contenant en polystyrène. Ensuite, la fourmi a été mise dans une enveloppe comme ça. Et le tout, comment dire, emballé avec des petites nouilles comme ça de polystyrène. Donc du coup, j'avais commandé donc du fluon PTFE. Donc voilà, fluon PTFE. Ça permet ces barrières anti-invasion hein, pour les fourmis. Ça, c'est surtout pour les Componotus parius, mais aussi pour l'autre fourmi. J'espère que la fourmi qui est ici est en forme. Hein. J'ai peur, hein. Je vous avoue que je suis pas à l'aise. Donc, c'est la première fois que je commande en Australie et ça a mis du temps. Voilà. J'ai commandé aussi des tubes en verre 22 sur enfin, les gros tubes là, du 22. Ou du vin, je sais plus, je crois que c'est du vin. Donc vous me voyez, vous entendez que je suis pas très rassuré dans ma voix, mais bon voilà. Et un nid, un petit nid, je pensais qu'il aurait été un peu plus grand, mais c'est un petit nid pour la fondation. Je vais y mettre du gravier à l'intérieur. Et puis voilà, mais ça on verra ça plus tard. Ça c'est vraiment le unboxing. Maintenant je vais aller voir pour la fourmi si elle est encore en vie. Si elle est en vie, surtout. Donc, je suis pas rassuré. Oh, le truc, il va sortir d'un coup. C'est... Attendez, je vais regarder quand même où je suis, là. Ah oui, bah c'est bien ce qui me semblait. Je l'ai ouvert dans le bon sens finalement, dans le sens que je voulais. Donc il y a un tube en verre. Et là. Ah. Ah. Je sais pas si on va bien la voir. Elle est là. La pyroformis. Allez. C'est une Myrmicia pyroformis qui est gigantesque, mais vraiment gigantesque par rapport à mon doigt. Elle est impressionnante. J'ai peur de la. J'ai pas vraiment envie de la stresser trop, mais là on voit la taille. Je sais pas si ça sera flou, net ou pas, parce que c'est la première fois que j'utilise même ce pied, mais elle est impressionnante. Donc je vais la remettre. Et voilà. Voilà. Je vais la mettre au calme. Donc voilà, j'ai fait donc cette commande chez Onkeping Depot. Et je suis plutôt content de ce que j'ai reçu. Je vais mettre la fourmi dans son setup. Tranquillement. Je vais tout emballer là. Et je vais aller mettre tout dans le setup. Et on se reprend tout de suite après. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur en fait du setup pour la Myrmicia pyroformis. Je ne l'ai toujours pas mise dans le formicarium. J'ai mis la barrière en fluon hein, sur les bords, donc ça fait un petit peu blanchâtre, mais ça c'est pas grave. Mais ça c'est le premier tube que je propose pour la Myrmicia, hein, parce que c'est ce setup a différentes possibilités de nidification. Donc un tube en verre classique, où je ne verrai pas vraiment l'évolution du couvain, mais comme il ne faut pas trop les déranger, du coup ça me perturbe pas. Donc derrière une pierre, voilà, c'est ça. Là il y a un petit peu d'eau ici, quelques branches,
Donc au-dessus des pierres, j'ai mis les pots de miel. Donc différents miels, un miel d'eucalyptus qui est ici et un miel de tilleul qui est ici avec des branches. Ici, il y a un nid creusable, donc avec de la terre argileuse. Donc les trous sont en bas, on les voit ici, il y en a deux, enfin, l'autre on ne le verra peut-être pas, si, lui aussi. Donc il y a deux possibilités d'aller creuser ici, ou voire même elle peut monter et puis elle peut creuser par au-dessus, c'est comme elle veut. Et la troisième possibilité, c'est donc de sortir de l'aire de chasse, de suivre le tuyau et d'aller dans ce petit nid ici. Alors je voulais mettre du gravier, du sable et tout dedans, mais ils n'ont pas fourni les clés pour ouvrir les clés Allen, soit c'est une clé Allen, ils n'ont pas fourni les clés pour ouvrir le nid, j'en ai pas, je pense, j'en ai pas retrouvé. Donc du coup, j'ai pas mis de sable, mais je pense que si la fourmi elle choisit cette option-là, elle ira chercher le sable elle-même. On verra. Bon, du coup, il y a quand même trois possibilités. Là, je vais aller mettre la fourmi. Ça va être joyeux. Je regarde déjà si tout va bien. Des raccords et tout ça, ça me paraît correct, hein. Voilà. On va pouvoir libérer la femelle, la petite mémère. Je vais attendre un petit peu que le fluon, parce que le fluon c'est un petit peu blanchâtre, que sèche un petit peu plus, et puis on va pouvoir la libérer. Et on se donne rendez-vous donc voici la gine. On va aller la libérer, pour qu'elle puisse un petit peu découvrir son nouveau setup. Elle est magnifique. Donc on va pas traîner et on va tout de suite la libérer. Voilà, j'ai mis la gine Pyriformis dans le formicarium. Donc elle n'ose pas sortir de son tube. Ça, c'est le tube que je vais enlever après. Moi, elle a peur, c'est normal. Mais je pense qu'elle sent quand même que la voie est libre. Donc j'espère que tout est fermé. Voilà, là, elle sent petit à petit, hein, c'est un peu flou, mais petit à petit, elle est en train d'approcher vers la sortie. Elle voit qu'il n'y a plus le coton. L'entrée, mais bon, elle n'ose pas trop, mais bon, au moins elle sait que c'est ouvert. Donc la voilà qui revient petit à petit. Elle n'ose pas trop, hein. Elle n'ose pas trop, mais elle est quand même tentée. On voit sa tête là.